retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, donc aujourd'hui on se retrouve avec Clara. Vous m'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Ouais, au début de ma chaîne on avait fait des vidéos, on avait fait quoi? On avait fait un mukbang, tu te rappelles ouais. ou pas? Ouais, ça date en vrai. Ouais, ça c'était il y a deux ans. Ouais, je pense, ça avait été un jour. Oui, c'était le jour de son anniversaire même, tu te rappelles dans les commentaires? Ouais. Tout le monde lui avait sauté. Ouais. On se retrouve pour une vidéo où elle va noter mes tenues, donc je vais présenter 4 tenues et après... je vais présenter des maillots de bain, mais du coup je vais pas les essayer parce que je me vois pas me filmer sur YouTube en maillot de bain, mais elle va quand même les noter. Cette vidéo elle est en collaboration avec la marque Soumia, donc Soumia c'est une marque de vêtements du même style que Shein en fait, si vous voulez savoir à peu près. De toute façon vous allez voir, donc elle va noter la qualité et bah, tu vas me dire si c'est beau ou pas. Okay. Moi je vais vous dire aussi si j'aime ou pas. Alors, je vais vous dire mon avis sur les vêtements. Donc je vous mettrai le lien du site Soumia en barre d'infos. Et vous avez un code promo, donc il me semble que c'est SELMA18 et ça vous fait moins 18% sur tout le site. Donc je vous l'afficherai sur l'écran. Bah, on va commencer la vidéo, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. J'ai reçu les vêtements dans un sac comme ça, donc là vous pouvez voir déjà un premier article. Allez tester ma première tenue, bah c'est parti. Bon, je vais vous montrer comment j'ai reçu un article, après le reste... Oui. Donc je l'ai reçu dans un petit sachet en plastique comme ça, c'est comme tous les autres sites. Je vais vous montrer l'article, je vais pas dire ce que c'est parce que sinon elle va voir ce que c'est. Elle a pas vu hein, l'article, je lui ai même pas fait de haul quand j'ai tout reçu. Par contre je vais galérer à mettre ça toute seule. Bon, le voici. Trop mime, faut pas que je dise ce que c'est parce que sinon je vais me spoiler toute seule. Voilà, je vais aller l'essayer. Je vais aller tester la tenue, je vais rajouter une paire de chaussures à moi pour compléter la tenue, comme ça vous verrez comment la porter. Et bah, je vais aller me changer tout de suite. Voilà à quoi je ressemble, elle a toujours les yeux fermés, elle a pas fait la tenue. Oh, t'es long, ça me tue. Non, tu peux ouvrir les yeux. Oh, j'ai eu des petits talons blancs, c'est trop ça. Ça c'est les miennes, hein. Mais du coup la tenue, la robe que j'ai reçue, ouais, elle est comme ça. Belle. Je trouve que pour l'été... Ah, pour l'été tu vas être canon. Voilà, donc c'est une robe genre pour l'été. Elle s'attache avec des nœuds ici. Et je trouve qu'elle est trop belle, j'adore. Par contre genre il n'y a pas de doublure. Enfin c'est pas transparent. Faire attention. Genre vraiment elle est toute légère mais elle est super, super belle. Ouais. J'aime trop. Enfin moi je trouve ça super beau. Du coup tu mettrais combien à ma tenue? Enfin à cette robe. Avec la qualité, enfin franchement c'est assez fin. Donc, ouais, je sais pas si... Je mettrais un 9 sur 10. Un 9 sur 10? Mais elle est trop belle, j'adore. Ah ouais? Ouais, avec les talons, ça fait super beau. En plus, blanc, ça fait ressortir un peu la fleur et tout. Ouais. J'adore. Donc, du coup, tu mettrais. Hein... Je mets 9 parce que bah, elle est super belle. Elle est pas transparente et puis. Enfin, elle est juste peut-être un peu fine. Coup, ouais. Mais sinon, elle est parfaite. C'est la première impression. C'est pour ça que j'ai mis un. Ouais. Parce que je trouvais que ça faisait trop large sinon. Mais en vrai. Elle est super belle, je crois. Trop contente de cette robe. Franchement. Ouais, elle est vraiment belle. Du coup, 9 sur 10 pour cette tenue. Bon, bah, c'est cool. Bon, du coup, je vais aller tester la deuxième tenue. Et bah, c'est parti. Bon, voilà, je suis prête. Elle a toujours les yeux fermés. Voilà à quoi ça ressemble. Tu peux ouvrir les yeux. Elle est trop belle, j'adore la couleur. Elle est trop belle. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir c'est une petite robe rose à point blanc. Donc, voilà de plus près. Je la trouve magnifique. Ouais, elle est trop belle, j'adore. Elle aussi elle est assez fine hein. Ouais pareil. Il n'y a pas de doublure donc elle est transparente. Tu vois si ça se voit? Non. Bah je le vois pas là comme ça mais. En plus il y a des éclairages donc je pense que. Bah elle est trop belle, c'est le genre de robe que j'adore donc. Mais moi je suis trop contente. Ouais, elle est trop belle. Elle est super belle. La couleur, genre, ça change de ouf, elle est trop belle. Ouais. Comme vous pouvez le voir avec des talons blancs, franchement ça le fait super bien. La qualité, bah, à part que ce soit fin, c'est pas dérangeant. Bah, en fait, ça fait comme l'autre. Hein. L'autre, c'est vrai, elle est super belle mais comme l'autre. C'est pas ça dérangeant. Non. Bah, de toute façon, c'est mieux pour l'été qu'elle soit fine. Ouais, pour l'été. Genre, si je pars au bled. Donne-moi une note. Pour la du coup, je pense que c'est un 9 sur 10 pareil parce que les deux, elles sont super belles. Et franchement, il n'y a rien. Non, franchement, moi aussi, hein. Si je mettrais une note... Ah ouais, il faut que je mette une note, moi aussi. Bon. Ouais. Pour la première tenue de tout à l'heure, je mettrais un... C'est assez fin, donc c'est un peu... Moi, j'aurais peur vraiment s'il y a du vent et que ça soulève. Je pense que je mettrais un 8 sur 10, parce qu'elle est vraiment super belle. Hein. Sur l'été et tout, c'est magnifique. Elles sont trop belles. Conversion, je pense que ça fera bien. Bon, du coup, moi, je mets un... j'ai dit quoi? Tu as dit un 9. Ah ouais?
je crois. Oui, oui, c'est vrai. Je mets un 9 sur 10. Et toi, hein? Pareil, 9. 9. Alors, je suis trop contente de la robe. Je pense Soumia pour l'instant. Ouais. Parfait. J'aime beaucoup. Bon, je vais aller essayer la troisième tenue. Bon, je sais d'avance. Enfin, j'ai vu à quoi ça ressemble. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais rien dire. Donc voilà la tenue. Moi, je sais pas du tout quoi en penser. Je pense qu'elle est pas prête. On m'a jamais vu habillée comme ça. Franchement. Bon, on va voir sa réaction en direct. Vas-y, ouvre les yeux. What? Genre, en vrai, je sais pas. En vrai, moi je trouve pas ça moche. Hein. C'est pas raton. Avec un petit sac. J'adore la couleur déjà. Ouais, franchement. Mais en vrai, attends, sur le coup ça choque un peu, mais. Ouais. Mais en vrai, elle est bien quand même. Enfin... Ouais, moi j'aime bien avec des petits sacs. Je la trouve pas mal. Ouais, je la trouve bien. Non, en vrai, avec un petit sac blanc, ouais. Je sais pas. Ça peut tu tout peux changer. Faire, tu peux faire une trop belle tenue. C'est juste que moi je sais pas apporter. Parce que bah là c'est. En fait, t'as vu que je t'ai jamais vu comme ça. Ouais. Ça choque. Je pense qu'il va être choqué. Donc voilà, de plus près. Franchement, la matière elle est super bien. Et ce qui est bien, regarde. Ah oui, il y a une doublure. Ça c'est trop bien. Mais elle taille bien sinon. Hein. Ouais, comme ça je trouve que ça fait vraiment. Ouais, ça fait pas trop. Non. Mais quand je l'ai reçue, je me suis dit, wesh, non. Qu'est-ce que j'ai pris? Mais de toute façon, je vous mettrai une photo de l'écran, de la robe sur l'écran. Vous verrez sur le site, bah, je suis pas déçue, hein, parce qu'en vrai, il faut savoir les porter, ce genre de robe, de toute façon. Tu peux faire une super belle tenue. Ouais, de toute façon, je suis sortie de mon élément, parce que je mets jamais dedans. C'est vrai. Non, t'en mets quasiment jamais. Non. Regardez de plus près. Franchement, regardez, même le col ici. Il sert pas trop, en plus il est bien élastique. Ouais. J'avais trop peur parce que j'ai mis des faux cils et tout, je me suis maquillée. J'avais trop peur, genre que ça s'enlève. Enfin, ouais, vous avez compris quand j'ai mis ma tête. Je me suis dit comment je vais faire. Mais non, en vrai ça va. Bah ouais, moi je la trouve belle en vrai. J'aime bien la couleur en fait. Ça truc. Elle est trop belle la couleur. Hein. Ouais. Non, franchement, on va mettre une note. Je dirais. Je dirais 8. Ah ouais? Sur 10. 7,5 ou 8. Moi je mettrais un. Même si j'aime bien en soi, je sais pas si je la. Je pense que je pourrais la mettre au bled. Parce que au bled j'ose plus. En plus, je mets tout le temps des talons là-bas. Donc, avec, bah, comme je vous ai dit, ma petite paire de talons blanches là que je mets depuis tout à l'heure, je pense que ça peut le faire. Ouais, ce sera trop. Mais bien. Je sais pas, j'aurais chaud, non? Bah après, elle est assez fine quand même. Ouais, elle est assez fine. C'est vrai. Non, bah. Une petite robe pour l'été, ça. Moi du coup je pense que je vais mettre un 7 sur 10. Mais c'est, la qualité elle est bien, c'est pas ça le problème, c'est juste genre... C'est le style en fait, ouais, ça change. Le style, donc, donc là je vais aller essayer la dernière tenue. Voilà la dernière tenue, donc ça change complètement mon style encore une fois. Comme vous pouvez le voir. Ouvre les yeux. Waouh, en vrai j'adore comme ça. J'aime trop cette tenue. C'est trop beau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ce blazer noir. Donc il y a un petit bouton juste ici. Voilà, pour pouvoir le fermer. Si je veux le fermer, bah... Ouais, il est super beau. En plus, la qualité, elle est super bien. Ouais. C'est mon coup de cœur. Donc voilà, ce petit blazer noir. Vous avez un petit short avec une ceinture. Donc voilà à quoi il ressemble, le short. Il est beau. Il est super beau. Ouais. Ça va, il est pas cool. Non, enfin, franchement, la longueur, moi, je trouve la longueur, elle est super bien. Ouais. La qualité, c'est épais cette fois-ci. La qualité, elle est épaisse. Ça risque pas d'être... Et il y a un petit effet ici au début, je me suis dit c'est quoi ça? J'étais dégoûtée, mais en fait je trouve que porter ça. Porter ça rajoute un petit truc. Ouais, ça rajoute un truc à la tenue. Genre laver ça fait moins basique donc ça allait bien. Bah regardez l'effet en fait que ça. Au début je trouvais ça trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Mais ça fait super beau en fait. Ça rajoute un truc à la tenue. Ouais, à la tenue. Ouais. J'aime bien. Donc il y a le short. C'est une paire de bottes. Regardez la paire de bottes. Donc bah, je peux pas trop vous la montrer pour l'instant. C'est une paire de bottines en fait qui ressemble au Prada avec la petite poche ici. C'est pas des contrefaçons parce qu'il n'y a pas la marque. Enfin tu sais, la contrefaçon c'est quand t'as la marque. Je les trouve vraiment super belles. C'est ce qui fait la tenue en fait. Ouais. Là, vous voyez pas, c'est dommage. Ça change tout dans la tenue. Ouais. Regardez, ça change tout dans la tenue. Je sais pas trop comment. Au pire, je vais les enlever et vous allez voir comment elles sont, mais franchement j'adore cette tenue. Ouais, genre regardez, petit blazer noir, faut juste que je la repasse parce que du coup j'ai lavé les vêtements avant avec le petit bouton ici. Ouais, cette tenue elle est vraiment belle. Ouais, regardez, ça fait hyper sérieux et tout. Ça fait vraiment un style. Ouais, j'aime trop.
Et je trouve le make-up il est super beau. Oui, je l'ai dit. On est d'accord, genre là ça ressort mieux qu'en vrai. Tu noterais combien? Moi je dis 10 sur 10. Ouais, moi aussi. 10 sur 10. Sur 10. Vous verrez. Il y a rien, il y a rien de. Ouais. Elle est vraiment parfaite cette tenue. Elle est trop. Par contre, pour les tailles, ah oui, j'ai pas dit les tailles. J'ai tout pris en XS et sinon des fois vous avez dit du S directement. Genre il y a pas de XS et la, les tailles elles sont parfaites hein. Bah. Il y a rien que trop grand. Non. Non franchement elles sont parfaites. Attends, je vais enlever les bottes parce que. Mais sauf les bottes du coup voilà pour les tailles, j'ai pris du 38 et elles sont un tout petit peu trop petites. C'est à dire que quand je les porte, je les ai déjà portées. C'est pour ça que je dis ça. Quand je les porte, bah genre le matin ça va, mais l'après-midi. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont neuves, je sais pas du tout si c'est parce qu'elles sont neuves ou pas. Ouais, peut-être qu'elles vont s'adapter puisque ouais. C'est du cuir, enfin c'est du faux cuir, mais vous avez compris. En tout cas, j'avais hyper mal aux pieds, j'en pouvais plus. C'était horrible. Ouais, c'est peut-être trop petit. Ouais, peut-être. Là, voici la paire de bottes, mais comme ça, elle ressort très plastique. Ouais. Mais genre, je vous jure. Vrai, elles font assez fines. Ouais. Parce que là, on pourrait croire que ça fait gros, mais en vrai, non, elles sont assez fines. Ouais, genre porté, c'est super beau, je vous jure. Ça ressemble un peu au Prada avec la petite poche. Moi, je trouve que c'est la petite poche sur le côté qui rajoute un plus. Donc, c'est une vraie poche. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi, j'ai rien mis dedans en tout cas. Mais franchement, elle est cool la paire. Hein. Ouais, elles sont vraiment belles. J'aime trop. Par contre, ça. Ça sent le pire. Ah ouais, incroyable. Ouais. Mais ouais, moi pour cette paire, juste pour cette paire, je mets un 10 sur 10 parce que. Non, un 9 parce qu'elle me fait mal au pied, mais je sais pas si c'est normal ou pas. À voir. On verra la prochaine fois que je les reporte. Mais j'aime beaucoup cette paire. Ouais, c'est vraiment belle. Et bah voilà, je suis très contente de les avoir reçues. Ça va faire une paire en plus dans ma collection de chaussures. Enfin, je rigole, j'ai pas trop de collection, mais bon. Vous voulez pas ma paire? Je rigole. Alors, je vais vous montrer les nouvelles chaussures de Salma. Alors, attendez, c'est une nouvelle collection de chez Adidas. Adidas. Et donc, franchement, elle a pris un peu trop grand, donc c'est un peu dommage. Ouais. Mais elle est un peu grande. Franchement, elles sont magnifiques, vous allez tout dire. Mais vous savez, c'est la nouvelle collection de Kylie Jenner. Vas-y, montre. Non, mais faites gaffe à vos yeux, franchement, elle est magnifique. Voilà. J'espère que ça va être drôle. Non, parce elles sont vraiment trop belles. Non, mais. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que franchement elles sont magnifiques. Si vous voulez la retrouver. Voilà. Donc, j'ai pris un peu plus grand parce que c'était rupture de socle. Enfin. Non mais c'était mes chaussures quand j'étais petite, arrête, elles sont trop belles. Oui, elles super, sont t'as peur. Wow. Non elles sont trop mignonnes, dites-vous, il y avait mes petits pieds dedans. Mes pieds. Voilà tous les maillots de bain que j'ai reçus, donc je vais les montrer à Clara. Donc j'en ai reçu 4 maillots de bain. Voilà, Soumia c'est une marque qui se consacre un peu plus dans les maillots de bain. Enfin en tout cas quand ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de prendre des maillots de bain, mais je leur ai demandé si je pouvais prendre des vêtements pour montrer que sur leur site, bah, ils présentaient plusieurs types d'articles. Donc c'est un ensemble de pièces. Pierre, je prends un truc et toi tu prends un truc. Bon bah voilà. Du coup ça c'est un haut, on dirait qu'il est grand comme ça, mais sur moi il me va très bien. Ouais. J'étais choquée, mais en fait ils se sont trompés dans les tailles. Ah merde. Comme vous pouvez le voir, bah il n'y a pas marqué. Mais il y avait marqué L. Mais là on dirait qu'il est super grand, mais je l'ai essayé. Choquée, bah, moi, il va très bien. J'aime bien hein. Parce qu'en fait derrière on pouvait serrer. Montre le derrière. Donc voilà, ça c'est le flop parce qu'il est trop grand, mais le haut je peux le mettre. Le haut je peux très bien le mettre, il est parfait. C'est juste la culotte qui est trop grande. Ouais, la culotte, bah je pense que ça va se voir. Ah oui, j'étais choquée quand j'ai reçu ça. Tu peux mettre deux fois dedans. Ouais, voilà, la culotte. Mais en fait, ils se sont trompés de taille. Mais bon, c'est pas grave. Je peux au moins mettre le haut de toute façon. Le haut il est vraiment beau. Le haut voilà. J'adore. Ouais, il est trop beau, t'imagines bronzé. Les motifs, ouais. De et vous pouvez enlever, enfin c'est un bandeau de base donc vous pouvez enlever ça. Bien, ça. Et regardez, c'est trop beau. Genre vraiment cet été, je vais le mettre. Ouais. Hein. En plus il me va trop bien. C'est bizarre parce que c'est du L, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais enfin il me va trop bien. Peut-être que c'est juste là quelque chose. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais parce que comme ça il est grand aussi. Ouais, hein. on dirait qu'il est vraiment grand. Ouais. Alors qu'en vrai, non. Je vous ai reporté, il était à ma taille, donc regardez la matière. Vous avez des coques intégrées. Ouais. En plus, elles sont bien. Ouais, elles sont super bien. Ouais. Enfin, le haut, il me va hyper bien, j'étais choquée. Et donc voilà, c'est un bandeau, mais vous avez les lanières. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Les bretelles, lanières. Donc voilà l'ensemble. Franchement, du coup, pour la note, tu mettrais combien? Je mettrais un. Franchement, un 8. Un 8 sur 10, parce que ouais, j'aime bien la. Ouais, la qualité elle est super bien, on en parle de la qualité. Vu qu'on peut enlever les bretelles, genre c'est super pratique. Ça fait 2 ans, non? Ouais. Donc moi je mettrais aussi un 8. C'est juste dommage pour, pour la culotte. La culotte. Ok. En tout cas j'aime bien. Je l'ai essayé, elle est parfaite, elle est incroyable. Okay. Attends, je vais la montrer.
Je l'ai essayé, elle est trop bien portée. Oh mais j'adore, c'est trop mignon. C'est vrai? Ouais. Moi aussi j'aime trop. Ça fait un maillot de bain vraiment habillé. J'adore. Je l'ai essayé, c'est trop beau. Je suis surprise de cette marque, j'avais trop peur de recevoir des trucs. On va passer à lui. Alors lui je suis fan aussi, vas-y. Oh, j'adore, c'est trop beau. Mais je me suis trompée de sachet. Ouais, trop orange et sale bro. Franchement, orange. Et le, regardez le bas taille haute, comme ça. Ouais. Ouais. Taille haute, non. C'est magnifique. Il se met. Donc voilà le bas taille haute, orange, vraiment. Ouais, vous imaginez ou pas, bronzé, orange. Beau. Il est super beau. Hein. Ouais, j'adore. Oh my god, il est trop. Je vais voir le haut. Vraiment magnifique. Donc, pareil, dans le haut, vous avez des coques. Elles sont bien. Ouais, pareil, dur aussi. Ouais, elles sont bien. Si, elles sont bien. Elles sont pas trop épaisses ni trop. Et vous pouvez, ouais, vous pouvez les enlever hein, si ça vous dérange. Ici, vous avez un trou et c'est super bien fait. Et vous avez juste à les retirer comme ça. Trop beau. Ouais, magnifique. Donc, bah lui, je lui mets un petit 9 sur 10 hein, parce qu'il est trop beau. Ouais, pareil, 9. Parce que vraiment, il est super original. J'adore une bretelle et la couleur magnifique. Non, le dernier, je tiens à dire que c'est mon coup de cœur. Je suis fan. Wow, il te fait un couleur. Corps. La couleur de la main, elle est vraiment trop belle. Regardez la couleur, rien que la couleur. Donc là, vous avez le haut. Il taille super bien. Le haut, il me va. Je pense qu'il doit faire. Il me va trop bien. Il fait une belle poitrine quand même. Ouais, voilà. Ouais, il me va trop bien le haut. Oh my god. Regardez. Donc la qualité est super bien, vous avez la coque. La coque vous pouvez pas l'enlever par contre, hein. Ici non. Mais il faut pas l'enlever de toute façon. C'est ce qui fait un peu le tout. Oh, et voilà la culotte. Elle doit faire des hanches de ouf. Oui. Non mais elle doit faire un beau corps franchement. Elle fait un super beau corps. Donc les filles, si vous voulez être en flic cet été, ce maillot de bain je vous le conseille à donf. Vraiment, il est trop beau. Bon bah je vais te le prendre. Hein. Mais la couleur elle est super belle, vous imaginez une peau bien bronzée. Même temps ça tirait bien. La couleur j'adore. Moi, sur les blondes ça va super bien. Ça va mieux sur les blondes je trouve. Beau. Mais waouh, magnifique ce maillot de bain. C'est trop beau. Donc taille S, hein, il n'y avait pas de XS dans les maillots de bain, c'est S, M, L et XL je crois. Je sais plus. Lui je lui mets un 10, hein, je lui mets même un 11. Hein. J'ai à présent terminé la vidéo, ça t'a plu? Ouais, trop bien. Et franchement les vêtements ils étaient très beaux. Elle les avait pas vues, hein, je tiens à le dire. T'as découvert, de toute façon, ça s'est vu, je pense, dans la vidéo. Mets en commentaire si vous voulez revoir Clara dans une prochaine vidéo. Est-ce que tu peux refaire une vidéo avec moi? Bah ouais, de ouf, c'est trop bien. Ah oui, moi aussi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. À vous abonner et à partager. Donc on vous fait de gros bisous. Et à bientôt. Et on vous dit à très bientôt.